Good morgen, Aleiden, les tu seras aujourd'hui le Nishma Tamarion Ben Khana, Peggy Batester, Nissim Ben Ahuda, ainsi que l'Irfouat Ruth Bat Claudine Reina et Efrat Mayan Bat Labtor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Nishma, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Abad Azara, Perek Gimel, Mishnah Aleph, Kol Atzlamim Asurim Mipene Shehen Ne'evadin, Pa'am Achat Bashana. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, אינו אסור אלא כל שיש בידו, מקל או ציפור או כדור. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל שיש בידו, כל דבר. On va commencer par traduire la Mishnah, pour entrer dans le bain, puis ensuite on va mieux expliquer. Kol hatzlamim asurim, toutes les statues, toutes les idoles sont interdites à en tirer profit. On n'a pas le droit de les utiliser, d'en tirer profit, de faire du commerce avec. D'accord ? Mipenei, Shehen, Ne'evadim, Pa'amachat, Bashana, parce qu'elles sont probablement servies même une fois par an, une seule fois dans l'année même, mais ça suffit pour les transformer comme des idoles, pour lui donner un statut d'idole de Avodah Zarah, et donc dans ce cas-là, elle devient interdite d'en tirer profit. Tivre Rabbi Meir, tel avis de Rabbi Meir. Tandis que, Chachamim Omrim, Chachamim disent que, Eno Asur Ela Kol Davar Shehesh Biado. Makel, au tzipor, au kadour. On interdit, il n'est interdit que ce que l'idole qui a dans sa main, un bâton, ou un oiseau, ou un ballon. Et Rabban Shimon ben Gamliel vient et nous ajoute en lui disant, kol sheyesh beyado kol dava, toute idole qui a n'importe quoi dans la main, elle sera interdite. Soit, tout d'abord, on va faire un petit peu d'ordre, c'est pas compliqué, on parle cette fois-ci de l'interdit de tirer profit, donc de la Avodah Zarah, elle-même. Il faut savoir, dès qu'un goy a servi une idole, ça peut même être un bâton, même une planche de bois, la Gemara raconte de Sancheriv, qui avait trouvé un petit morceau de bois de l'arche de Noir, il s'est prosterné devant elle, et ben, dès que le goy va servir quelque chose, il va transformer cet objet en objet de culte de Avodah Zarah, et donc il va devenir interdit à en tirer profit, on ne pourra plus faire de commerce avec, on ne pourra plus l'utiliser même pour le fixer dans un meuble. D'accord ? Ça c'est la première notion. De ce fait maintenant, question, lorsqu'on trouve un goy qui a une idole, pour les juifs, on en parlera plus tard, il y a d'autres règles. Le juif aussi interdit l'idole, même de manière plus grave parfois, mais on en reparlera plus tard. En tout cas, notre problème maintenant, il est de savoir, lorsqu'on trouve une idole chez un goy, pourquoi il l'a faite? Est-ce que c'était décoratif ou est-ce que c'était pour le servir? C'est là la problématique de notre Mishnah. En théorie, si elle a fait pour bien sûr, si c'est décoratif, on a le droit d'en tirer profit, on a le droit de le revendre, tandis que si c'est prosterné, alors on n'a plus le droit d'en tirer profit. Alors comment est-ce qu'on va savoir? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va avoir une discussion. Rabbi Meir va être très mahmir et Chachamim vont nous dire non. Si tu trouves certains signes, alors c'est signe que c'est une idole qu'il sert. Et s'il n'y a plus ces signes, alors on va supposer que non, en réalité c'est plus décoratif. Tandis que Rabbi Meir ne va pas penser ça et va dire qu'on interdit dans tous les cas. D'accord? Ce sera lié au même Rabbi Meir avec le même principe qu'on a déjà évoqué dans quelques mishnah précédentes, qui pensait que Chayshinan le Miyuta, on craint que ça provient de la minorité. Et maintenant, on a assez de données pour pouvoir reprendre la Mishnah et expliquer un petit peu mieux. Kol Atzlamim Asurim, toutes les idoles sont interdites. Toutes les idoles s'impliquent, non seulement lorsque c'est un homme, une image d'homme, ou bien même si c'est un animal, ou que ce soit, quoi que ce soit, tous les Atzlamim, un Tselem, c'est une idole donc, un Tselem littéralement, c'est une image. Hachem, il a fait l'homme à son image, Betzalmo, qui Betzalem Elokim Baraoto. Donc, Kol Atzlamim, toutes les idoles, toutes les images, donc toutes les représentations, sont interdites à en tirer profit. Mipene Shehen Nevadim, parce qu'elles sont servies, pas Machat Bashana, même une seule fois dans l'année. Qu'est-ce que c'est une fois dans l'année? Le Barthes nous rapporte que, apparemment, vous pourriez me dire, mais non, je comprends pas, pourquoi est-ce que tu veux que ce soit une idole? Regarde, les gens passent à côté d'elle et ne se prosternent pas devant cette idole. Pourquoi est-ce que tu veux soupçonner que ce soit une idole? Eh bien, la Mishnah vient nous enseigner en lui disant que, selon les règles de la Avodah Zarah, il y a parfois des Avodah Zarah, des idoles, qui ne sont servies qu'à un seul moment de l'année précisément, lorsque le soleil va se retrouver à telle date, à telle orientation, alors c'est le moment de servir l'idole. Donc même si tu regardes qu'aujourd'hui personne ne la sert, sache qu'il n'y a aucune preuve en cela,
Peut-être qu'en réalité, si tu vas mettre une caméra de surveillance, à un moment, tu verras qu'elle sera servie. Et même si elle ne sera plus servie, peut-être qu'elle a déjà été servie. Donc de ce fait, tu ne peux pas te fier sur le fait que personne ne la sert, parce qu'elle a probablement été servie, qu'elle a une avoda azara très particulière qu'il faut servir une fois dans l'année. D'accord ? Maintenant, comme ce qu'on a dit, bien sûr, ça va selon Rabbi Meir. Qu'en réalité, Rabbi Meir est d'accord que la majorité des idoles des goyim ne sont pas servies. Ouais. Chaque fois, les goyim font aussi plein d'idoles de représentation. Mais malgré tout, Rabbi Meir, donc, comme ce qu'on a dit, ça va selon Rabbi Meir le Shitato, selon son avis qui pense en tout le chasse, que Chayshinan el Miuta, on craint que ça provient de la vie de la minorité. Et ça provient de la minorité, c'est-à-dire qu'il y a eu certains qui... Ok, cette fois-ci, cette idole-là, elle a été faite, l'Hachem Avodazara. De ce fait, on ne peut pas se fier sur la majorité qui n'est pas de Avodazara. Ça, c'est donc Rabbi Meir, comme ce qu'il pense ailleurs. Tandis que Chachamim Omrim, Chachamim pense que non. De manière générale, une idole, il n'y a pas lieu de douter, de prétendre qu'elle a été faite pour une Avodazara, puisque la majorité des idoles ne sont pas faites, l'Hachem Avodazara. Donc, de ce fait, on ne va pas soupçonner qu'elle est elle-même de la Avodah Zarah, parce que Chamim, il pense que lo chayshinan el miyuta, on va selon la majorité, et on ne va pas craindre que ça provient de la minorité. Ça, c'est la vie de Chamim. De ce fait, Chamim, on te dit, si tu trouves par contre un signe distinctif, bizarre, qui va te laisser soupçonner que cette fois-ci, ça, oui, était fait en tant qu'idole de service et de païen, alors dans ce cas-là, tu, bien sûr, tu ne pourras plus en tirer profit, parce que tu... C'est clair que ce sera une idole, ce sera très probablement une idole qui a été faite pour la servir, pour en faire de la Avodah Zarah. Quels sont ces signes distinctifs? Deux choses. Il y a des signes qui sont rapportés dans la Mishnah, et dans le partenariat, il va nous rapporter un deuxième signe très important. Premièrement, dans la Mishnah, on nous rapporte uniquement celui qui a dans sa... S'ils ont fait une représentation qui a dans sa main un bâton, ou un oiseau, ou un ballon. C'est-à-dire, ce sont des signes qui veulent dire un makel, ça signifie que c'est lui, le Dieu, qui a le bâton pour punir, pour châtier tout celui qui ne fait pas sa volonté. Donc c'est pour ça qu'il a fait le bâton. Dès qu'on va avoir un goy qui va faire, pas un bâton pour marcher, parce que c'est un boiteux, mais parce que c'est un bâton, genre dans le sens, celui qui tient qui a le pouvoir dans la main. Ou un tzipor, ou un ballon, ça signifie qu'en fait, soit un tzipor, qu'il est lui-même, que cette idole a, autant que l'oiseau, règne quelque part sur le monde parce qu'il le domine de haut comme ça, alors lui aussi, il est lui-même, il dirige, il voit le monde, il domine le monde, ou encore un cadeau aussi, tout le monde est dans sa main comme un ballon que je peux jeter, en faire ce que je veux, d'accord. De ce fait, la Gemara rajoute encore d'autres sortes, aussi Fualem Babretal, Bartham et la porte, encore Kherev, s'il a un glaive, Atara, s'il a une couronne, Tabat, s'il a une bague, c'est-à-dire un sceau. Donc ça, ce sont des signes qui prouvent qu'en réalité, il domine le monde, tout le monde est astreint à lui, il domine tout le monde, d'accord. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Précision très importante, l'alakha sera fixée comme Chachamim, bien sûr. On continue tout de suite d'abord sur Rabban Shimon ben Gamliel, après on apporte la précision. Et Rabban Shimon ben Gamliel va nous dire, non, dès qu'il va avoir n'importe quoi dans la main, parce que, dès qu'il va avoir quelque chose dans la main, sans soi-même, un signe qui domine cette chose-là, il y a toutes sortes, même s'il a un petit cure-dent, un keisam, la Gemara le rapporte par exemple. Parce que dans ce cas-là, Rabbi Shimon va nous dire, peut-être qu'en réalité on lui fait un petit keisam, pour nous dire que tout le monde est devant lui comme un petit keisam. La Gemara va même poser la question s'il a une tsoa dans la main. Une tsoa, c'est une matière fécale, du caca. D'accord ? S'il a une tsoa dans la main, est-ce que ça signifie aussi qu'il domine le monde? Et oui, ça signifie que tout le monde est devant lui comme de la... Ouais, c'est rapporté comme ça dans la Gemara. Maintenant, autre précision très importante. Ça, ce n'est que pour les idoles qui sont installées à l'entrée. Regardez. Ven ozrin elak shomdim al petach medina. À la fin du dernier Bartenora, il rapporte qu'elles ne sont interdites, ces idoles, que si elles se tiennent à petach medina, à l'entrée de la ville. Ça veut dire que si vous entrez dans une ville, vous voyez en plein milieu d'une ville une idole, c'est la place de la République, la statue de la liberté, ça n'a aucune valeur de Avodah Zarah, tandis que si on la trouve à l'entrée de la ville, alors là, c'est signe qu'elle a peut-être été faite en tant qu'Avodah Zarah. Et aussi, regardez la précision super importante, au Bakfarim, chez Enderkan, la Sotsurot, les Noy, du vrai col la souris. C'est dans les petits villages, les petits paysans, les petits pecnos, qui n'ont pas d'argent et qui ne se soucient pas de faire des belles rues et de faire plein de tralala. Ils n'investissent pas
dans l'allure, dans la beauté. Ouais, ils ont une petite vie simple. Alors pourquoi est-ce qu'ils font des idoles même dans les petites rues? Kenrick, c'est de la Avodazara. Alors là, dans les Kfarim, tout ce qu'on trouvera, alors ce sera de la Avodazara, on supposera que c'est une idole qui était faite pour la servir, et donc elle sera interdite d'en tirer profit. Ensuite, s'ils veulent la déplacer, la vendre, tout ça, on pourra plus en tirer profit, on pourra même pas non plus l'utiliser pour quoi que ce soit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.